1394, une petite fille vit parmi les roses. En l'an 1394, une petite fille vit parmi les roses. Elle s'en va comme une fleur à peine éclose, cueillir les joies que l'on lui propose. Elle ne connaît ni la peur ni le malheur, sa vie n'est que tendresse et douceur. Elle n'a même plus besoin d'écouter son cœur, l'ordinateur gère son bonheur. La seule chose qui lui soit interdite, la folie qu'elle ne commettra jamais. Elle sait depuis qu'elle est toute petite, c'est de toucher au livre des secrets. Les montagnes se mettront à trembler, les volcans se mettront à gronder, les forêts se mettront à brûler. Si tu touches au livre des secrets, les typhons se mettront à souffler, l'océan viendra se déchaîner. Plus parfait si tu touches au livre des secrets. En l'an 2394, une petite fille vit parmi les roses, mais sans qu'elle n'en comprenne vraiment la cause. Parfois la vie lui semble comme un sentiment qui vient la troubler, comme une peine ou bien comme un regret, comme quelque chose qui lui dit qu'il faudrait ouvrir enfin le livre des secrets. Les montagnes se mettront à trembler, les volcans se mettront à gronder, les forêts se mettront à brûler. Si tu touches au livre des secrets, mettront à souffler, l'océan viendra se déchaîner et le monde ne sera plus parfait si tu touches au livre des secrets. Un matin de printemps, elle s'ennuyait tant qu'elle est allée voler le livre des secrets. Un garçon qui passait, alors l'a regardé, et tout a basculé quand il l'a embrassé. Les montagnes se sont mises à trembler, les volcans se sont mis à gronder, les forêts se sont mises à brûler. Quand l'amour est venu l'emporter, les typhons se sont mis à souffler. C'est déchaîné, et tant pis si plus rien n'est parfait. Sans amour, à quoi bon exister? Les montagnes se sont mises à trembler, les volcans se sont mis à gronder, les forêts se sont mises à brûler. Quand l'amour est venu l'emporter, les typhons se sont mis à souffler, l'océan soudain s'est déchaîné. Rien n'est parfait sans amour.